Bienvenue à tous dans la quatrième vidéo sur le thème de la mission de vie. Aujourd'hui, on va apprendre comment vivre sa mission de vie au quotidien, que vous la connaissiez ou non, d'ailleurs, cela n'a pas d'importance. Et on va voir cela en trois étapes. La première étape, c'est de consacrer du temps à votre mission de vie tous les jours. Que ce soit 30 minutes ou une heure par jour, c'est vraiment important de passer du temps à faire ce qu'on aime, à s'écouter tous les jours un petit peu. Alors, ça peut prendre vraiment différentes formes, hein. Vivre votre mission de vie au quotidien, ça peut être par exemple d'écrire votre projet, d'écrire le livre dont vous parlez depuis un certain temps, ça peut être de contacter certaines personnes, ça peut également être la lecture ou bien des recherches dans le secteur qui vous intéresse ou dans un domaine qui vous passionne, ça peut être tout simplement méditer ou rêver sur un projet que vous êtes en train de définir dans votre tête, ça peut également être faire des loisirs créatifs, faire de la musique, ça peut prendre vraiment différentes formes, travailler sur l'entreprise ou le projet que vous êtes en train de mener à côté de votre travail actuel, vraiment c'est libre à vous, mais c'est très important de consacrer du temps pour vous et surtout pour ce que vous aimez faire le plus au monde. Vous voyez, c'est ces choses que l'on fait où on ne voit pas le temps passer parce qu'on est à sa place dans son élément. La deuxième étape pour vivre votre mission de vie au quotidien, c'est de faire de votre mieux dans chaque seconde et dans chaque projet que vous faites. Votre mission de vie, ce n'est pas une compétition. En vous incarnant, vous avez décidé de faire de votre mieux dans la tâche que vous avez choisi, vous, d'accomplir. Alors essayez de sentir en vous cette graine que vous avez semée lorsque vous étiez un esprit et que vous avez voulu vous incarner. Essayez de vous rappeler que vous êtes là pour faire de votre mieux. Faire de votre mieux, ça veut dire faire selon vos capacités, vos moyens, votre énergie, votre ressenti intérieur, et pas en fonction de critères extérieurs. Ça ne veut pas dire faire le mieux possible et faire parfait, ça veut simplement dire faire comme vous pouvez, avec ce que vous avez, avec qui vous êtes, et de faire de votre mieux, et je vous garantis que votre mieux, c'est la perfection à votre façon et c'est la meilleure chose que vous pouvez faire. Enfin, la dernière étape, c'est de vous rappeler que la joie est votre plus grande motivation et votre meilleur allié dans votre mission. Agissez dans la joie autant que possible, tous les jours, dans ce que vous faites. La joie, c'est votre indicateur de votre mission de vie. C'est ce qui doit vous pousser à mettre en place des projets et à aller de l'avant et à mettre en place chaque étape de votre mission de vie, que ce soit du moment où la graine germe dans votre esprit, au moment où vous achevez un projet, où vous achevez votre mission, vous devez véritablement être dans cet état de joie. C'est vraiment celle qui guide vos pas, celle qui guide votre mission. Voilà, j'espère que cette dernière vidéo vous aura aidé à prendre le chemin toujours et encore de votre mission de vie, à la vivre au quotidien. Je vous souhaite une très belle journée et puis je vous dis à très bientôt.